Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes petits couteaux et mes petits couteaux préférés. En fait, j'en ai une dizaine, 11 en fait. Donc, je vais vous parler de ces petits couteaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par petits couteaux? Ce sont des couteaux dont la lame ne va pas dépasser les 7,5 cm. Ou à peine, c'est-à-dire 7,6 cm à la rigueur. Donc, je vais commencer par mon petit couteau préféré, dont vous avez déjà vu la présentation. C'est le Quiet Carry IQ. Alors, ouverture par flipper, lame en acier L-Max, comme c'est indiqué ici, un acier qui a une très haut taux d'antioxydabilité, qui a une rétention de coupe très élevée, malgré le fait qu'il soit en 58 ou 59 HRC en termes de dureté de l'acier. Le manche est en titane. C'est un revêtement PVD pour la lame et pour le manche. Blocage par frame lock, roulement à billes, céramique. Donc un petit couteau, vraiment tout petit. Le manche fait 9 cm. La lame doit faire dans les 7 cm, je crois. Le tranchant fait 7 cm. Voilà. La lame dans sa totalité fait 7,3 cm. Donc c'est un petit couteau qui est vraiment, moi je le trouve magnifique parce que on ne voit pas la lame une fois qu'elle est repliée. On ne voit que le flipper qui est bien dans la continuité du biseau du haut de manche. Voilà, c'est un petit couteau très agréable, un couteau de gentleman. Voilà, pas très lourd, il doit faire dans les 80 grammes à peu près à cause du titane, bien sûr. Le clip est en titane également. Très beau petit couteau et très agréable à porter et à utiliser. Voici le premier. Mon second petit couteau préféré, que vous avez déjà vu aussi dans une vidéo, c'est le Kaiser Faced en titane. Et cette version n'est plus produite, c'est la version Warm Cliff, c'est-à-dire que le bout de la lame est tantôt inversé, on va dire. C'est un acier S35VN. C'est Kaiser qui réalise ça. Cette version est en titane. Le manche est en titane avec un frame lock. Roulement à billes également. Clip en titane également. Alors, c'est un couteau que j'aime beaucoup parce que d'une part, c'est un front flipper. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est que vous l'ouvrez, vous n'avez pas de pardon. Vous n'avez rien qui vient bloquer le tranchant, voilà. Que ce soit un trou, que ce soit un tom stud, voilà. Comment on appelle ça en français? C'est un ergot de pouce, voilà. Ouh, j'y arrive. C'est pas évident. Voilà, donc. J'aime beaucoup le design de ce couteau. C'est un petit couteau, hein. La lame, encore une fois, fait 7 cm. C'est la même taille de lame que le IQ, côte à côte. Voilà. Au niveau du pivot, c'est la même taille de lame. Acier différent. Même système de blocage de lame. Système d'ouverture différent, mais. Voilà, c'est aussi un petit couteau qui est très agréable à utiliser, à porter. J'aime beaucoup le design. Je trouve que le designer Justin Lundquist, c'est marqué ici. On va le voir là, voilà. Lundquist fait de très beaux couteaux. Là, ses dernières productions sont vraiment magnifiques. Très chères, mais magnifiques. Donc voilà, deuxième petit couteau, le Kaiser Faced. Troisième petit couteau qui m'a été offert par ma compagne,
que j'aime beaucoup, mais vraiment, c'est un de mes couteaux préférés, c'est le Benchmade Valley. Alors là, le manche, quoi, les plaquettes sont en G10, les platines en acier inoxydable, le clip en acier inoxydable, la lame est en Burler M390, et j'aime beaucoup la courbure du design. Je trouve que c'est vraiment très élégant. Encore une fois, un couteau de gentleman, c'est vraiment un couteau très agréable à porter, à utiliser. Encore une fois, la lame n'atteint pas les... Alors, si, fait 7,3 cm. Voilà. Le petit souci avec Benchmade, ce sont les ergots de pouce qui font que, bon, ben, voilà, sur le tranchant, on va avoir un petit... une petite gêne si on cherche à trancher trop près du manche. C'est un couteau très agréable à porter, plutôt léger, plus léger que les deux précédents, malgré le fait qu'il y ait de l'acier inoxydable, alors que là c'est du titane, qui est plus léger que l'acier. La lame en M390, et là aussi c'est un acier issu de la technologie des poudres en aciérie, donc c'est un acier très performant, qui garde beaucoup son tranchant, très longtemps. Pas très facile à affûter, mais très performant. Donc j'aime beaucoup ce petit couteau qui, vraiment, vous voyez, ma paume fait 9 cm, le couteau vient se loger parfaitement dans la paume, et c'est vraiment ce design, cette fluidité de la courbe que j'aime beaucoup. Donc voilà le troisième petit couteau, le Benchmade Valet. Alors, je vais décaler un peu vers le haut, voilà. Le quatrième petit couteau que j'ai acheté, il y a, je crois que c'est mon premier achat sur la plateforme Drop d'un couteau. C'est un petit couteau là aussi qui vous ne trouverez plus le couteau puisque Drop ne vend plus de fournitures EDC, donc plus de couteaux, etc., plus de sacs. Vous devez passer par sa plateforme, son marketplace, sa boutique sur Amazon, mais qui n'est pas disponible en France. Hein, c'est Amazon.com, donc c'est assez compliqué pour acheter depuis la France. Ce couteau, c'est le Ferrum Forge Gent. Alors j'aime beaucoup, là aussi, la courbe supérieure du couteau, la forme de lame, sa hauteur. C'est du S35VN. Les platines sont en titane, les plaquettes qui ne sont là en fait que pour l'esthétique, parce que comme on peut voir, elles n'ont aucune autre utilité que masquer les platines. Les platines donc sont en titane, les plaquettes en G10, ça c'est la version G10 bleue, il existait en vert, en noir, en fibre de carbone, en bois. Le clip en acier inoxydable, très bonne tenue, tout petit. On voit que une fois le couteau dans la poche, on ne voit que ce petit clip qui fait plus penser à un stylo qu'à un couteau. Donc très esthétique. Encore une fois, un gent, c'est un couteau de gentleman, c'est un couteau qui est fait pour être utilisé à des fins plus domestiques, on va dire, que de travail, hein. On peut couper de carton, c'est plus pour ouvrir des cartons, quoi, des paquets, du courrier, manger, parce que le S35VN est un acier inoxydable très performant, une dureté moindre, je crois que c'est du 56-59 maximum HRC. La tenue est excellente, c'est un très beau petit couteau, je suis très content d'avoir cette version. Je pense que je vais... acid wash la lame, c'est-à-dire que je vais la traiter à l'acide afin de la ternir un peu, parce que même si l'acier satin finish, finition satin est très agréable à l'œil, on peut voir que bon, ben, il y a des petits accidents peuvent arriver quand on coupe des choses qui sont un peu dures. Donc, le Ferrum Forge Gent. J'aime beaucoup la hauteur de lame. Je trouve que
C'est vraiment le type de hauteur de lame qui convient pour un usage, je dirais, polyvalent. Ferrum forgent. Cinquième petit couteau. Alors, c'est une acquisition récente. Un front flipper. C'est le Kaiser Lättwind Mini. Alors, Lättwind, en suédois, c'est du suédois, veut dire vent léger. La version, il y a une grande version qui est en titane, qui coûte un bras, dans les 200 euros, je crois, quelque chose comme ça. Cette version est en G10. Alors, il y a une version, ça c'est la version Empire, il y a une version Boba Fett qui est verte et avec l'insert rouge. Donc là, pareil, clip acier, la fausse pièce en G10 blanc. Pour contraster avec le noir. L'acier, c'est du N690. J'aime aussi beaucoup cette forme de lame, cette forme de couteau, ce design. C'est un design qui me fait penser beaucoup au couteau de Monterey Bay Knives, MBK pour les initiés, qui produit des couteaux designés principalement par Rella Conico, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, ce couteau a la possibilité d'être ouvert aussi par flipper, qui s'inscrit totalement dans la ligne du manche, mais c'est moins évident. Il est plus fait pour être utilisé en front flipper que. On peut y arriver, hein, voilà, mais c'est moins évident. Liner lock. Les platines sont ajourées, comme on peut voir ici, en acier inoxydable, insérées, fondues dans les plaquettes. Donc c'est un couteau qui est fin, léger, très agréable à utiliser. Encore une fois, la hauteur de lame apporte une polyvalence au couteau que n'ont pas les trois premiers couteaux que je vous ai présentés. Donc très agréable, petit couteau, là encore. La lame fait 7,5 cm, donc voilà, ça reste un petit couteau. Le manche fait un peu plus de 9 cm, donc voilà, le Lättwind de Kaiser. Alors, un couteau que je vous ai présenté, qui fait un carton sur ma chaîne, que tous les amateurs de couteaux ont, dans une version ou une autre, qui a été un best-seller de l'année 2020. 2019 et 2020, c'est le CVV Elementum. Ouverture par flipper, acier D2, comme on peut voir, il subit déjà les attaques de l'oxydation, parce que le D2 n'est pas un acier inoxydable. C'est un acier qui a quand même un haut taux en carbone, et donc assez dur, même s'il n'est pas très difficile à affûter, hein, comme on peut voir le. J'ai réussi à avoir une finition miroir sur la lame. Voilà. Liner lock, platine en acier inoxydable. Les plaquettes ici sont en micarta. Il existe en G10, en fibre de carbone, en micarta. Il y a même des versions en laiton et en cuivre qui sont sorties en édition limitée chez des revendeurs sur Internet. Aux États-Unis principalement. Le clip en acier inoxydable, petit trou pour une lanière. Couteau très agréable, petit, qui tient bien en main avec les serrations sur le dos de la lame pour bien le tenir. Il est très agréable à utiliser. Bon, c'est un hollow grind. J'adore les lames hollow grind. Là, c'est un plat, et là c'est du hollow grind, c'est-à-dire de l'émouture creuse. Donc voilà, c'est un couteau qui est très agréable. Encore une fois, la hauteur de lame apporte une polyvalence à l'utilisation du couteau que n'ont pas les couteaux avec des lames moins hautes. Vraiment un couteau, bon, je suis très content de l'avoir, de l'utiliser, même si je l'utilise moins régulièrement depuis que je m'oriente vers des couteaux plus haut de gamme. Mais c'est un couteau qui vaut vraiment le coup. Très simple, très léger, pas cher, puisqu'il y a, je crois que c'est 50 € l'entrée de gamme. Donc voilà, le
Elementum de CVV. Là, je vais passer à quelque chose de plus particulier. C'est un couteau japonais qui est fait par une entreprise japonaise, donc, qui produit des couteaux plutôt haut de gamme. C'est une entreprise très connue par les amateurs de couteaux. C'est le M-Custa Kazumi. J'aime beaucoup ce couteau. Il est superbe. Les plaquettes en ébène avec l'acier qui a été chauffé pour donner cette finition brune qui va très bien avec les plaquettes. Cette anodisation de la vis de pivot. Cette lame en acier VG10 laminé. C'est fait à Seki, au Japon. Seki est une ville qui est internationalement réputée pour ses forges. Spyderco, il fait certains de ses modèles. Kai, donc Kershaw, Ziti, quoi, Zéro Tolérance, ils font aussi des couteaux. C'est une ville qui est internationalement réputée pour ça. Et ce couteau-ci, voilà, encore une fois, cette courbure supérieure, je trouve que c'est super esthétique. Le laminage de la lame, je trouve que c'est magnifique aussi, c'est très beau. Voilà. Couteau de gentleman, très petit couteau, hein. Il est plus petit que la longueur de tranchant est de 6,5 cm, vous voyez, c'est vraiment un petit couteau, c'est vraiment le couteau de gentleman, il n'y a pas de clip, d'où la présence de cette petite lanière pour pouvoir le sortir de la poche plus aisément. C'est un couteau qui est très agréable à porter. Là aussi, les plaquettes ne sont là que pour l'esthétique. En fait, donc c'est un frame lock, acier inoxydable pour les platines. C'est très beau. Je trouve que c'est un très beau couteau, un peu cher, hein, comme tous les M-Custa. Mais voilà, j'ai craqué pour le côté esthétique du couteau. Et c'est un tranchant sorti de boîte, c'est affolant, c'est un laser, quoi. Voilà. Là, on va parler un peu plus budget, même si le CVV, le Latvind est à une centaine d'euros, donc on va dire, voilà, à partir de là, on entre dans le budget. D'ailleurs, je vais faire deux colonnes, hop, comme ça. Dans le budget, je vais vous parler d'un couteau que je vous ai déjà présenté aussi dans une vidéo. C'est un couteau qui, pour son prix, offre une qualité de réalisation rare. C'est-à-dire que pour une quarantaine d'euros, il offre déroulement à billes pour le pivot, un acier qui n'est pas très haut de gamme, mais qui fait son office, du 8CR13MOV, des plaquettes en G10 avec un laminage en fibre de carbone. C'est le Kershaw Atmos. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que son grand frère de chez Zero Tolérance, le Ziti 0470, est un de mes grâles, c'est-à-dire un des couteaux que j'aimerais avoir absolument, parce que je trouve que, d'ailleurs j'ai acheté le Atmos parce qu'il reprend le design du Ziti 0470, un petit couteau avec, là aussi, le flipper qui vient dans la continuité du biseau. Une lame hollow grind. Là aussi, avec une petite hauteur de lame qui permet un usage polyvalent. Un design. Alors, c'est Dimitri Zinkevich qui fait le design. Je trouve que il est super élégant. Très léger. Voilà, 8CR13MOV, Zinkevich Design. Le clip est très efficace.
Ce côté insert en fibre de carbone apporte beaucoup de style. Un petit couteau, hein, je crois que c'est 7,5 cm, voilà, 7,5 cm de lame. Il fait son office. C'est vraiment le couteau, vous voyez, voilà, c'est un petit couteau. Pour cette somme, ça vaut pas le coup de passer à côté, si on aime les couteaux et qu'on n'a pas une fortune. Hein, voilà. C'est un couteau qui mérite vraiment de faire partie d'une collection, même si c'est un entrée de gamme, même si c'est un budget, c'est un couteau qui, de par son design, de par la qualité de fabrication, et tout est impeccable. Hein, c'est Kershaw, là-dessus, on peut dire qu'il n'y a pas de souci. Le Kershaw Atmos. Encore un Kershaw. Je crois que c'est mon premier Kershaw. Oui, c'est mon premier Kershaw que j'avais découvert sur la chaîne de Fans de Couteau. Oui, je vous parle beaucoup de Fans de Couteau parce qu'il y a peu de présentateurs de couteaux sur YouTube francophone. Et Fans de Couteau présente beaucoup de couteaux. C'est vraiment un fan de couteau et je le remercie énormément pour tout ce qu'il m'a apporté. J'ai vu sa présentation et j'ai eu envie de l'avoir en main et je l'ai acheté, mais je l'ai acheté dans sa version, pardon, dans sa version en Arkansas Damas. C'est comme ça que Kershaw appelle ce type de laminage. C'est le Kershaw Skyline. Alors, sa particularité, c'est qu'il n'a qu'un liner, c'est-à-dire qu'une platine, qui est le liner de blocage de lame. En G10, alors texturé, hein, c'est une petite grille, voilà, on peut voir un peu mieux. J'aime beaucoup sa fluidité. Ce sont des. Non pas un roulement à billes, mais des rondelles en bronze phosphoré. Donc c'est assez fluide quand même. Hein. C'est pas un couteau qui. Il n'est pas aussi snappy que le Atmos, mais. Voilà, je trouve que le Damas, que le Arkansas Damas de la lame hollow grind, là aussi, hein, émouture creuse, hauteur de lame qui permet sa polyvalence, encore une fois, fait aux États-Unis, alors que le Atmos est fait en Chine. C'est un couteau qui vraiment se tient bien en main de par le creux du manche. Il se tient bien en main, il n'y a pas de cannelure, de serration sur le dos. Le Tom Stud vient vraiment au bord du manche et donc ne gêne pas trop le tranchant de lame. Le flipper n'est pas trop bas et a l'avantage de protéger un tout petit peu la main lors de coupe forcée. Mais voilà, c'est un couteau qui est léger, polyvalent, qui n'est pas très cher non plus. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros aussi, peut-être un peu plus. Cette version, je crois que c'est allé à 75. Mais voilà, c'est Kershaw fait des couteaux assez sympas. En ce moment, il passe au D2, à l'acier D2, donc autre qualité de couteau. Voilà, le Kershaw Skyline. Un couteau que je vous ai aussi présenté déjà. Que j'aime beaucoup parce que là aussi c'est un petit couteau quoi, pas très grand, hein, c'est le CJRB Mini Feldspar. Alors voilà, c'est hauteur de lame, courbe supérieure, toujours c'est ce qui m'attire sur les couteaux, c'est l'esthétique en plus de la qualité de l'acier. Là c'est de l'acier D2, le manche quoi, les platines, les plaquettes en G10 avec les platines insérées et qui ne sont pas ajourées, hélas. On aurait gagné en poids, mais rien ne m'empêche de faire une série de trous pour alléger un peu la chose. Clip acier inoxydable, liner lock, roulement à billes céramique,
Et c'est vraiment le couteau fidget, c'est-à-dire voilà, que vous l'ouvriez avec le pouce ou en reverse flip avec le majeur. Le couteau répond, hop, là je vais le bloquer avec ma main, le couteau répond tout de suite. J'aime bien le ventre de cette lame, bien arrondi. Puis c'est une petite lame, hein. La grande version fait 9 cm, je crois. Là, elle fait 7 cm 1, mais on doit avoir un tranchant d'un peu plus de 7 cm 6, puisque en fait il y a une courbure sur la lame. J'aime bien la petite rondelle en laiton qui commence à se patiner à l'usage. Voilà un petit couteau qui, là aussi, pas très cher. Je crois que c'est une 40aine d'euros. Voilà. Même titre que le Elementum. Le clip est réversible. Hein. Bonjour les gauchers. Donc le mini feldspar de chez JRB. Et enfin, je vais vous parler d'un couteau. Ça a été mon premier Spyderco. J'en ai eu un autre, mais je l'ai revendu. Voilà. Parfois, on se défait de couteaux parce qu'on ne les utilise pas et parce que on a besoin de renouveler sa collection et d'avoir les moyens de le faire. Donc pour ça, je revends certains couteaux pour en acheter d'autres. C'est le Spyderco Alcyon. Alors, le Alcyon est le petit frère du Polestar. C'est de l'acier CTS BD1. Le Polestar étant CTS BD1N, c'est-à-dire qu'il a de l'azote en plus, c'est-à-dire un traitement à l'azote en plus. Le manche est en G10. Les platines sont en acier inoxydable, un liner lock, ce qui n'est pas courant chez Spyderco. L'ouverture avec le trou. Voilà. Des rondelles bronze phosphoré. C'est un couteau, la lame a l'air est très haute. Spyderco, ce sont des couteaux militaires, à tendance militaire, paramilitaire. Pour le travail, donc ce sont des couteaux très robustes. D'ailleurs, les serrations de dos de la lame permettent de vraiment tenir le couteau en plus de son retour de manche. On voit bien que voilà, la main est bien tenue, bien assurée. La lame n'est pas très grande, hein, 7 cm 2. Et c'est un couteau extrêmement tranchant en sortie de boîte, très agréable à utiliser, pas très léger mais très agréable à utiliser. Et malgré la petite longueur de lame, le fait qu'elle soit très large, très haute, lui donne un avantage au niveau de la polyvalence de l'utilisation. Donc voilà, j'aime beaucoup, même si je lui préfère. Le Gail Bradley 2 que je vous ai aussi présenté dans une autre vidéo. Donc, le Spyderco Alcyon. Je trouve que la texture du G10 est très bien réalisée. Le célèbre trou pour lanière de Spyderco. Voilà. Donc voilà. Voilà mes 11 petits couteaux. De mon préféré que j'utilise très souvent à celui que j'utilise le moins souvent, tout simplement parce que les trous dans une lame, quand vous coupez quelque chose d'alimentaire, hein, du fromage, que vous tartinez, il y aura toujours un petit peu de matière qui viendra se loger dans le trou et donc c'est plus délicat à nettoyer, mais c'est simplement pour ça que j'utilise peut-être moins, et aussi parce que il m'a coupé une fois et que voilà. Donc mes 11 petits couteaux d'une collection qui va changer bientôt peut-être. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, bien entendu. N'oubliez pas que ma précédente vidéo
est une vidéo tuto cuir, mais aussi un giveaway, c'est-à-dire que je vais désigner le 25, le 26, une vidéo sortira où je vais désigner un bénéficiaire d'un porte-monnaie qui est l'objet du tuto, mais le porte-monnaie que je vais donner sera NFC proof, RFID proof, c'est-à-dire que il protège les cartes équipées de paiement sans contact des ondes extérieures. Donc c'est par là. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé, hein, vous connaissez la chanson sur YouTube, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner ici. J'espère vous revoir très bientôt sur Du cuir et des lames. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.